On va, Tommy Charles. Rédicace, il y a un seul homme qui a fait la bande. Rédicace, Thierry Duval, Rédicace, Franck Diva, Maradja est deuxième, Maradja qui revient sur Rédicace, Rédicace, Maradja les deux favoris, Rédicace, il pété pour un, Rédicace, Franck Diva. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le quintet de mardi. Alors de retour sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, j'espère que tout le monde va bien. On a passé un bon week-end, donc c'est les fêtes qui commencent pour beaucoup. Donc je vous souhaite déjà d'excellentes fêtes de fin d'année à tous. Le prix de la tremblade, on va essayer de ne pas trembler. Les 6 ans, les 7 à 10 ans qui sont en piste, 2850 mètres, tous au même échelon, 16 partants, 15 étouffus. Il peut y avoir des surprises, on va démarrer de suite les bases de jeu. Alors mon gagnant, j'ai mis le plus riche, le 16 Dreamer Boy, drivé, entraîné, propriétaire Yves Dreux, un cheval qui adore ce parcours-là. Il vient de marcher 13-6, c'est un petit dur, fils de gazouillis. Il mériterait de remporter sa course, c'est son meilleur engagement de l'hiver. Il affronte pas les Européens, c'est une course française. Si Von Von ne me fait pas trop les extérieurs, je pense qu'il a ce genre de course sous les sabots, je le vois gagnant. Deuxième base, le numéro 6, Douxor de Guès, qui retrouve Jean-Michel Bazir. Il est, on peut dire, dans la forme de sa vie, bien d'allure, bien carré, 2100, 2007, 2008, fait toutes ses courses, marche 13-2, donc c'est un bon chrono. Si le cheval ne bouge pas du début jusqu'à la fin, ça sort pas des trois premiers. Le challenger, le numéro 5, Diamond Charm, ou la forme Jean-Philippe Dubois. C'est un cheval qui fait une rentrée de 50 jours. Il rentre toujours très 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 bien. Il est déféré des postérieurs. Ça, c'est la façon Dubois. Sur la grande piste, c'est 2 sur 3. Il suit tous les trains, se met toujours à plat ventre. Si le cheval a le parcours fluide, il a 4 sur 4 dans les quintés. Donc je pense que demain, ça peut faire 5 sur 5. Premier outsider, le 15, DS Noir, elle est pilotée par Franck Nivard qui retrouve la forme. C'est très très bien, la jument fait toutes ses courses, aime bien la grande piste, suit tous les trains, redoutable finisseur. Faut pas que la jument voit le jour trop tôt, elle faut la sortir aux 300-500 mètres. Si c'est le cas, elle sera dans le coup. Deuxième outsider, le 3, Destin Carizé, qui a pas eu un parcours fluide la dernière fois. Eric Raffin, un peu trop, voilà, un peu trop gourmand dans le parcours. Il fait quand même bon quatrième. Aime bien le parcours, aime bien Vincennes. Maintenant, il commence à rentrer dans ses gains. Il a 7 ans, il a 250 000 euros. Si le cheval a un parcours un peu plus gentil, je pense qu'il fera aussi bien que la dernière fois. La suite du pronostic, le 8, Dreamer de Chenu, qui a été mon premier outsider, le coup d'avant, qui s'impose à 10 euros. David Thomas l'avait pris la première fois, donc super. En général, c'est pas un cheval qui répète, voilà, un cheval un peu souffreteux, un cheval souvent disqualifié. Mais si le cheval nous refait la même valeur que la dernière fois, ça jouera la victoire. En 7ème place, le 10, Belle du Matin, qui a marché 13-3 sur le parcours avec Matt Abrivard au mois de septembre. Si je dis pas de bêtises, 13-3, c'est ça. Maintenant, c'est son entraîneur, driver, propriétaire qui la reprend. A fait 5ème du GNT de Châtelaillon, Elite Beaufour, Diable de Vauvert, Baccarat de Niro et Diane Winner. Donc une ligne excellente, même fumante. On peut dire, si Belle du Matin a le même parcours que la dernière fois, quand elle est venue sur un 2850 mètres grande piste, elle jouera les belles places. Et je termine avec là ce Bunker du Prieuré qui adore le parcours de Vincennes. Il a 5 sur 6 sur la grande piste, c'est Matt Abrivard qui s'y colle. N'a pas été très heureux sur un 2100, je l'ai mis un peu loin. Franchement, j'aurais pu le mettre beaucoup plus près s'il a le parcours fluide. Attention. En cas de non-partant, le 14, Charlie Delaunay fait face à son meilleur engagement de l'hiver sur Vincennes. Voilà, on ne sait jamais, à 50 euros, s'il a la bonne course, il peut casser des jeux dans un champ réduit, je vous dis oui. Mes impasses, le 7, Cobra Arcarac, n'est pas dans la forme de sa vie, ferré. Je pense qu'on peut le rayer même avec Jean-Philippe Monclin. Et le 12, Altus Fortis, je m'attendais un peu mieux la dernière fois et je vais le rayer ce coup-ci, franchement je n'y crois pas du tout. Voilà, nous passons au cheval du jour. Alors, hier en réunion à course 6, Dorgos de Guès qui s'impose
avait une belle cote online et puis chute à la fin, donc dommage. On pouvait mettre la mise comme Elite Beaufour, donc annoncée en live pour ceux qui suivent les vidéos et les lives. Elgafel, je vais y revenir pour dire un petit mot du Critérium des 3 ans juste après le deuxième cheval. Fascinoso de Loup qui prenait sa place, qui s'impose. Vous avez vu, pas de coup sur le cul, s'impose très facilement. Donc vous touchez les deux simples et le report et le désordre. Donc le dimanche était très très bon, on peut dire ça. Nous espérons un coup de 5 cet après-midi avec Hermès du Léard. D'ailleurs, j'ai perdu sa fiche. Ah, elle est là. Hermès du Léard avec Romain Derieux. Donc ça serait très très bien. On va commencer par le jus du jour, jeudi 22 décembre, ça sera Dreamer Boy, donc je pense qu'il a sa place dans les deux, j'espère même le voir gagner, pour continuer sur la bonne forme du jeu du jour. Le cheval du jour, mardi 22 décembre, petit mot sur le Critérium des 3 ans, donc bravo au clan Abrivar pour Anna Demol qui s'impose plaqué des 4 pour la première fois, super. Mention spéciale pour Philippe Allaire, enfin Monsieur Philippe Allaire et Monsieur Eric Raffin qui ont décidé de déclarer non partant Elgafel parce qu'à mon avis il aurait détruit pratiquement tous les jeux de tout le monde, donc soyez bien contents qu'il ait sauvé pratiquement tous vos jeux. J'en connais plus d'un qui aurait couru le cheval, donc on espère le revoir mieux d'allure dans les semaines à venir. Et la note du Critérium des 3 ans au cadeau GL comme d'habitude. Donc mardi 22 décembre en réunion 3, course 8 dans le Grand Prix d'hiver, le numéro 4 BPAM déféré des 4, Franck Maty, driver entraîneur, c'est le gagnant de cette course l'année dernière. Ils étaient 6 au premier échelon, 7 aux 25 mètres dans la course de 2019. Cette année ils sont 4 en tête, 6 aux 25 mètres, c'est la course visée. Dans le quintet du Bouscat de mi-novembre, j'ai vu un cheval qui était en forme, super. Donc il a fait en sorte de ne pas prendre des gains pour être au 25 mètres demain. L'opposition de la course, c'est Casting de Chenu qui part en tête avec lui. Et au 25 mètres, Cap de Narmont, Clark Soto, un degré moindre, Biluka du Boscay. Voilà les amis, donc nous on se dit à demain pour une toute nouvelle vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine, merci les amis. Et n'oubliez pas le live samedi pour les deux belles courses. Ciao! Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.